moi j'ai été placée donc quasiment ma naissance jusqu'à mes 19 ans. Donc, et comme ça se faisait à l'époque, j'ai été en famille d'accueil dans le Morvan. Et dans un village où on était, 80% des enfants de l'école étaient placés. Pour la protection de l'enfance, je pense que c'est une question, je dirais, extrêmement sensible et qui n'est pas prise souvent dans toute sa dimension. C'est-à-dire que les enfants de la protection de l'enfance sont quand même les enfants pauvres de notre République, qui viennent des familles les plus défavorisées. Et il y a une précarité, une pauvreté, je veux dire, qui amène des situations en protection de l'enfance qui ne devraient pas. La protection de l'enfance ne devrait pas, je veux dire, se couper des restes des problématiques sociales. C'est vraiment... Alors, je sais que la loi 2016 a été particulièrement appréciée, notamment des jeunes de la protection, parce qu'elle recentre beaucoup la protection sur l'enfant, l'intérêt donc supérieur de l'enfant. Moi, aujourd'hui, je suis présidente de DUI France, et donc c'est extrêmement important, cet intérêt supérieur de l'enfant. Mais on doit le prendre en compte dans toute sa dimension globale. Et c'est vrai que je dis, plus les enfants sont élevés dans leur propre famille, plus une société est saine. Et cette substitution, donc, qui est forcément nécessaire pour certains, on ne la remet pas en cause, elle ne doit pas être une façon de ne pas voir cette aggravation de la pauvreté des familles et des enfants. Et elle doit, l'enfant doit être vraiment pris en compte dans toute sa dimension. Et c'est l'ensemble de ces droits fondamentaux qui doivent être respectés. Et la protection de l'enfance aujourd'hui, je dirais, elle risque d'être beaucoup plus sous l'emprise qu'elle ne l'a été de la dimension psychiatrique, psychologique. C'est-à-dire qu'on voit les nouveaux experts de la protection de l'enfance aujourd'hui viennent de là. Et il en faut, leur dimension est essentielle, mais je crois que dès qu'il y a une forme de monopolisation d'un domaine d'expertise sur un domaine, sur un champ qui est très multidimensionnel, hein, je veux dire, c'est à risque. Et le social, on sent qu'on a envie de l'évacuer. Et moi, je dis que quand on évacue le social, il revient toujours. On le met à la porte, il revient par la fenêtre. Et c'est des questions que je pense qui devraient être débattues beaucoup plus comme des sujets de société qui concernent tout le monde. Je rejoindrai tous les jeunes de la DEPAP, c'est-à-dire que ça fait longtemps que déjà cette protection de l'enfance, elle n'aurait pas dû s'arrêter à 18 ans avec facultativement la possibilité d'être prise en charge à 21 ans. Elle aurait dû être jusqu'à 21 ans, sauf bien sûr s'il y a des jeunes qui font leur route en dehors et ils peuvent être libres d'en sortir. Mais, et ça c'est vraiment très très important. Et puis aussi soutenir vraiment ces associations, parce que je trouve que ces jeunes qui sont dans ces nouvelles ADEPAP, du moins dans ces ADEPAP qui regroupent aujourd'hui des jeunes sortants, ils sont, je dirais, une forme de fierté. En fait, ils peuvent apporter beaucoup, ils prennent beaucoup sur leur temps personnel pour investir ce champ de citoyenneté. Et à une époque où on dit que la citoyenneté des jeunes nous manque, ce serait vraiment bête, je veux dire, de manquer de leur apport, quoi. Je pense les soutenir financièrement. Et puis aussi, moi, je pense qu'il faut absolument que le travail social soit formé autrement. Je veux dire, là, j'ai beaucoup lutté pour ça. Donc, la nouvelle définition du travail social, c'est l'accès de tous à l'ensemble de ces droits fondamentaux. Et ça, c'est une formation qu'il va falloir, modifier. On est dans une culture, les travailleurs sociaux, de l'individuel, une culture très enfermante et très, très peu une culture du droit. Donc, et on voit énormément de situations qui, je dirais, ne bénéficient pas de tous les droits fondamentaux qui existent dans nos textes, dans notre constitution, dans nos conventions internationales. Il y a tout un travail pour que ces droits soient respectés et que soient effectifs pour les gens qui en ont le plus besoin. Réduire ces écarts,
veiller à réduire les écarts aussi des inégalités scolaires. Je pense que c'est absolument indispensable. Et à la participation des personnes, il faut vraiment la favoriser aussi parce qu'elle donne beaucoup d'énergie.